Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus qu'important, un sujet sensible, les skins de Fortnite. Mais attention, pas n'importe quel skin, les skins dégueulasses de Fortnite. Attends, parce qu'on entend toujours oh mais qu'il est beau. T'as cru que c'était un chaton ou quoi? Non, on va parler des skins dégueulasses de Fortnite. Les skins que, si tu les as à mon pote, c'est que t'es à part dans ce monde. Et si tu l'as pas encore réalisé, putain, mais qu'est-ce que je sollicite tes amis à te violenter, voire à brûler ta maison avec ta famille dedans. À voir au choix. Celui-là, je suis encore mitigé. Je sais pas si c'est un militaire ou un joueur de baseball. Peut-être les deux, à voir. Hein. Sans parler du fait qu'il faille 10 euros pour l'acheter. Ouais, ouais, 10 euros, ouais. Oui, car ce skin coûte 1200 V-Bucks. Et que 1200 V-Bucks sur Fortnite, c'est égal à 10 euros. Eh bien, en passant par des V-Bucks, ben, tu n'as pas la notion de l'argent que tu gaspilles. Mais qui sont malins, Epic Games? Allez, hop. Écoute, si ton kit c'est de payer pour avoir de la merde, chacun son truc. Un militaire travesti en joueur de baseball, c'est pas forcément le mien. Puis tu vas le mettre 3 jours. Le temps que notre skin arrive dans la boutique, putain. Et tu veux savoir c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'au prochain skin que tu vas acheter, ben ça va être la même rengaine. Tu vas le trouver stylé jusqu'à que notre skin sorte. Et à la fin du mois, mon pote, quand tu te retrouves à moins de 300 sur le compte, te demande pas où est-ce qu'ils sont passés, hein. Mais t'es content, t'as tes skins, t'as ta petite collection. En revanche, eh ben tu vas bouffer des pâtes pendant un mois, ou revendre un rein et ton gosse pour payer ton loyer. Perso, je garde mon rein. Du coup, la question que je me pose, est-ce que vendre son gosse ça vaut le coup pour avoir un skin? À vrai dire, on va pas se mentir, ça dépend clairement du gosse que t'as. Si le tien il est déjà passé deux fois chez Pascal le grand frère et une fois chez Super Nanny, et qu'en plus il ressemble à ça, bah n'hésite pas une seconde, hein. Un skin au moins, ça pleure pas. En revanche, si ton gosse il sait faire ça. Putain que non, là tu peux pas mon pote, c'est un génie. Puis il te rapportera peut-être plus si tu lui fais faire son cirque tous les jours devant une grande surface, hein. Par contre, pas de jour de repos, hein. Sinon après ils vont croire qu'ils ont des droits. Ils commencent déjà à croire qu'on n'a pas le droit de les brûler à la cigarette. Ils sont complètement fous. Qui sait, ça sera peut-être plus rentable de vendre sa mère aussi. Mais attention, je le vois déjà le petit Jean-Kevin qui va venir me voir pour me dire: mais non, j'achète pas de skin. Eh ben moi, je vais commencer par les rétorquer une claque dans le bon pif. Peut-être qu'avec un nez en parasol, il dira pas la même chose. Mais attention, en tant que personne civilisée, on m'a toujours dit que la parole valait mieux que la violence. Même si au passage de la claque, ça fait plaisir, qu'on se sent soulagé, qu'on se sent apaisé, et que Jean-Kevin il pleure, bah j'irai lui parler. Je lui dirai d'aller travailler, parce que peut-être là il en achèterait des skins. T'as 8 ans. Et alors, à cet âge-là, ta maman elle était déjà sur les trottoirs. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours une solution pour acheter des skins de merde que vous ne mettrez plus dans 2 jours. Et oubliez pas, le skin fait pas le skill, bitch.